Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur héros et généraux. Nous allons partir à l'assaut. Nous sommes en bataille de guerre avec la feuille d'automne. Et je pense que la défense va se faire sur B4 dans la mesure où la ligne C est juste à côté et que elle nous facilite quand même grandement la tâche. Je sais pas exactement comment ça va se faire. Peut-être B3 hein, si on arrive à tenir jusque là-bas. D'ailleurs, je vais aller direct à B3 moi. Je vais pas perdre de temps. D'ailleurs, il y a plein d'alliés qui sont allés direct à B3 et qui n'ont pas perdu de temps. C'est appréciable. D'ailleurs, je pourrais m'arrêter un peu avant, mais. Ah, d'ailleurs, ouais, probablement qu'on va s'arrêter un peu avant s'il y a du monde. Alors, j'en ai vu un là-bas. Touché. Un dans le truc là maintenant. Ah, c'est des bots ça, c'est quoi? Comment ça se fait qu'il soit super nul? Enfin, il a l'air super nul. Oh, 3-8, ouais, voilà. Ça, c'est à cause du camion, à mon avis. Camion mort. Un mec sur le toit. Hop, touché. Il me reste 4 balles. Pas mal. Juste peur qu'il se fasse tuer par le mec sur le côté. Apparemment, il n'y a personne, ok. Tokay, c'est un truc manuel, mince, c'est pas ce que je voulais. Je voulais plutôt un truc automatique, moi, voilà. Nickel, 4-4. Les sauces 4-3, on est bon. On perd B4 pendant ce temps-là, faut qu'on gagne plus vite. Aïe, ouais, aïe, je crois qu'on va perdre B4. Avant. Hop. Le truc, c'est que le spawn de B4, il est vachement loin. Oh, comment ça, actualisation du réseau, c'est une blague, j'espère. Oh non, misère. Là, je vois l'autre bien se déplacer. Il veut pas mettre des ordres, Ziga Kovac. Ah si, il a mis l'ordre d'attaque. Ah, ça se trouve, on va tenir. Lui, je sais pas où il est, mais pas au bon endroit. Peut-être qu'il snipe. Ah, on sait pas, hein. Ça se trouve, il est très utile. Il a fait rien du tout. Bon, je retire ce que j'ai dit, il est probablement pas très utile. Ou endommagé, je m'attendais pas tellement à le toucher. Ah, 2-2. On va rester caché par là. Il y avait une voiture. 4-2. Faut juste que pour moi il n'y ait pas un mec qui se pointe de derrière moi. Voilà le mec à la voiture. PPSH. What? Il avait un mec. Ah, je te soigne. Il y a un mec là-haut probablement. Oh! On l'a vu passer tous les deux. Il est mort. En voilà un nouveau. Vraiment efficace ce PPSH. Moi je dis on les a bien rect. Alors, en principe on va pas craquer la voiture. Oh! Aïe, ouais. Ils sont trois. Ouais, bon. On y retourne. Par quel moyen? Je ne sais pas. On va prendre la voiture du mec. Hop. En vrai, il y a moyen de passer. Le chemin le plus court, c'est quand même de prendre le spawn de B4. Mais c'est pas le plus facile. À moins qu'on soit un oiseau, bien sûr. Ah, ils ont prévu que les APC ennemis, à mon avis, passeraient par ce point-là pour aller à O. Il veut pas monter visiblement.
Bon, dans les combats de poing, mon personnage Feuille d'automne n'est pas particulièrement adapté à mon avis. C'est pas tellement un souci. Oh, ça grouille. Touché. J'ai juste frôlé, c'est dommage ça. Il y a des gens par là dans le bois. Ah, trop tard. Hop, salut toi. Voiture qui vient d'arriver, on va rester planqué. Un qui est par terre, j'ai l'impression. Hop là. Lui, il a cru qu'il passerait. Ah, il y a des mecs qui sont en train d'arriver. Hop, toi t'es mort. Bah, défendez, hein. Oh non, il a survécu. Bon, c'est pas grave, le voilà mort. Et maintenant, on a un spawn juste à côté. Je pense que je vais retourner dans la forêt. Je me suis rendu compte que ce personnage coûtait quand même vachement cher si je tirais beaucoup de balles. Ce qui est dommage, mais en même temps, je vais pas me priver d'un soldat qui one shot. Sans bonne raison. Et puis si je reprends mon arme, déjà perdue, je payerai pas les balles de toute façon, donc... Ah, j'ai eu le temps de le ping avant de le tuer. Je voulais être sûr de l'avoir, je me disais qu'il allait probablement s'arrêter. Ok. C'est simplement un type dans la forêt. Par là, ouais. Ah, il a l'air tout mort. Il y a des gens là-bas. Ah, j'en ai revu un. Waouh, je suis quand même rudement efficace. Moi je dis. Là, qui passe là-bas. Cachons-nous un peu. C'est quoi cette histoire de ces deux? Ils ont ouvert la ligne. C'était la ligne qu'on contrôlait et ils l'ont ouverte. Autrement dit, ça veut dire que. Ah mince, je fais des bêtises moi. Je voulais juste voir le F2. Voilà. Ouais, c'est ça, on a perdu. On est encerclé maintenant. Hop là. Redoutable Lily est là. Hydrolien plus exactement. Il y en a un qui a tenté de passer, je pense qu'il est crevé. Poussez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Trop tard. Je me doutais qu'il y avait des gens par là, je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. C'est pas un souci, on va continuer. Si jamais il y a une équipe d'alliés, peut-être un seul allié, ça suffit. Hop, pardon, si vous m'attendez, je veux bien monter. S'il y a un seul allié qui arrive à prendre C1, je crois que c'est en train de ce qu'il est en train de faire. Ça nous permettrait de close la ligne. Et du coup, nous, quand on prendra B1. En supposant qu'on prenne B1, évidemment, on n'aura plus à s'occuper d'une nouvelle ligne venant d'apparaître. Alors, APC mort. Ouais, ils ont des APC et tout, et qui sont quand même en train de se faire flinguer. On a quelques éclaireurs, je pense pas qu'on les utilise beaucoup. Si, j'ai vu des éclaireurs tout à l'heure. Alors sur ce point-là, j'ai déjà réussi à bien défendre en mettant à peu près au... à la limite où on voit juste la tête à cause de l'espèce de pente. C'était très facile de tuer tous les soldats ennemis avec ce fantassin justement. Ah oui, bah oui, mais non, mais... Tu veux pas que je participe à la victoire? C'est clos, C1? Non, pas encore. On va aller pousser. Au cas où, ouais, ça a l'air difficile. Tu veux pas t'écrabouiller, petit vélo? Un type dans la maison, au moins. Ok, deux, et l'autre est là-bas. Yeah, on a capturé les deux points à la fin, ils ont pas eu le temps de se réapatrier, quoi que ce soit.
Et bam, voilà les armées qui sont en déroute. Je sais pas où on est sur la carte, mais... Oh, d'accord, il y a une armée qui a réussi à se glisser du côté criméen alors que tout le reste est rouge. Eh ben, on aura fait un bon boulot.